Bonjour. Alors hier, nous avons terminé les révisions sur les fractions. Aujourd'hui, on va commencer les révisions sur la proportionnalité avec l'exercice 20. Donc c'est un vrai ou faux. Dire si les situations suivantes sont des situations de proportionnalité. Première situation, au supermarché, un paquet de gâteaux coûte 1,70€ d'unité. Un paquet de gâteaux coûte 1,70€ et un lot de 6 paquets du même gâteau coûte 9,90€. On va voir si c'est proportionnel ou pas. Et bien, comme d'habitude, on fait un petit tableau. Donc, un paquet de gâteaux, ça coûte 1,70€. Mais normalement, 6 paquets de gâteaux, c'est ça, oui. 6 paquets de gâteaux. Donc, pour faire 6 paquets de gâteaux, on doit faire 6 fois 1,70€. Puisque un paquet coûte 1,70€, on va faire 6 fois 1,70€. Là, juste, je vous rappelle, vous n'étiez pas obligé de faire un tableau, vous pouvez juste directement calculer ici 6 fois 1,70 et voir combien on trouve. Donc quand on fait 6 fois 1,70, ça nous fait 10,20 ou 10,2, ça suffit. Donc ce n'est pas égal à 6,90. Ce n'est pas égal à 6,90. Donc la première, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Faux pour la première. La deuxième. Voici la taille de Léo à 1 mois et à 3 mois. Donc à 1 mois, il faisait 52 cm et à 3 mois, 56. Comme on a vu quand on a fait cet exercice-là avant, bien sûr que ce n'est pas une situation de proportionnalité. On passe de 1 à 3 en multipliant par 3. Ici, si je fais 52 fois 3, ça ne sera pas du tout 56. Ça sera 156. Donc, faux. Le 3, un morceau de musique coûte 1,20€. Sur un site d'achat de musique en ligne et 5 morceaux coûtent 6€. On veut savoir si c'est proportionnel puisque un morceau coûte 1,20€, 5 morceaux normalement ça devrait faire 5 fois 1,20€. Et quand on fait 5 fois 1,20€, ça fait bien 6€. Donc la dernière, oui, c'est une situation de proportionnalité. Voilà pour l'exercice 20.